Salut les potes, aujourd'hui un film avec des effets spéciaux dantesques les potes. Mais attention Rach, c'est pas un film de Joe Dante. Non, c'est un film de monsieur John Landis les gars. C'est ça, qui est sorti en 81 les potes, Le Loup-Garou de Londres. Et ça part maintenant les potes. Ah, les loups-garous, mec. Les loups-garous. Ça te fait flipper ou pas? Écoute, c'est pas ma créature préférée. T'es plus vampire ou loup-garou? Moi, je suis plus vampire, moi. Vampire. Ouais, je trouve que c'est plus stylé. Mais bon, après, respect aux lycanthropes. Hein. D'ailleurs, ouais. On en a un dans la communauté. Hein. Lycanthe, si tu te reconnais, frérot. Dédicace à toi. On va parler d'un de tes congénères, mon pote. Bon, une fois, ouais, on va parler un peu de tes potes. Petite dédicace à notre pote Lycanthe. T'as intérêt à mater la vidéo, frérot, c'est pour toi. Ouais, donc voilà, 80 ans. Donc John Landis qui a réalisé ce film. Ouais. Qui a fait son premier long métrage qui s'appelait Schlock. Schlock. C'était un film humoristique, comédie. Hein. Oui, bah après John Landis, il sort un petit peu de la comédie hein, voilà, aussi. On hein, peut le voir avec Le Loup-Garou de Londres d'ailleurs. Oui, bah, oui. Où il y a quand même touche humour noir un peu. Ouais, tu vois, je veux dire. Non, mais c'est pas que horreur, c'est horreur-comédie. Ouais, horreur-comédie. C'est clair. Et lui, durant son premier long métrage, sa réalisation, il a connu un mec dans les effets spéciaux. Ah bah, un tueur. Un tueur de tueurs, mec. Rick Baker. Rick Baker, mon pote. Et lui, bon, c'était déjà l'apprenti à Dick Smith, qui était du lourd déjà. Qui était le Gandalf de l'époque. Des effets spéciaux, les gars. Ah, il était un peu cheaté dans son domaine. Ah bah attention, le mec, il envoyait du pâté. Hein. Donc quand tu disais que t'étais apprenti à Dick Smith, mon pote. Ah ouais? Ouais. Dick Smith. Je te jure que oui. Dick Smith de chez les Dick Smith là? Des Smith. Putain de merde. Ah ouais, Et je taquine un peu. Putain de merde. Je taquine un peu dans les effets spéciaux, dans les maquillages surtout. Bah, tu vois, chez maquiller, chez faire tout ce bordel, je me démerde, on va dire. Ah ouais, tu taquines bien. Bravo, Rick. Ouais, voilà. Et un jour, John Landis, après son long métrage, donc, est parti sur un délire de loup-garou. Tu vois, ça lui est venu d'après un enterrement qu'il aurait vécu. En Yougoslavie, en plus. Il se rendait en Yougoslavie pour assister à un film. Il a vu des Roms qui faisaient un enterrement. Une cérémonie un peu plus spéciale. Une cérémonie mortuaire, un petit peu. Puis il a imaginé le délire à partir de là, quoi. Mm. Il s'est dit, il s'en fout dans ce pays, non, t'as dit. Non, mais c'était ça. Et ça lui a donné une idée. Il en a parlé à Rick, son pote. Ouais. Il faudra qu'on fasse ça les deux, bien sûr, toi aux effets spéciaux, à la réalisation. Et au scénario. Et ça t'y part. Par contre, on n'a toujours pas les ronds. Non. Tu vois, je veux dire. Non. Et entre-temps, t'as un autre mec qui est venu en même temps l'idée, tu vois, à peu près, qu'il va faire un film sur les loups-garous. Sur les lycanthropes. Ouais. Sur les lycanthropes, qui s'appelle Joe Dante. Joe Dante, les gars. Ouais. Voilà. Lourd aussi, lui. Hein. Donc, il est du lourd aussi. Bien sûr, et il avait engagé, car comme Rick ne recevait toujours pas de nouvelles de John Landis pour ce film qui devait tourner ensemble, bah il a accepté l'offre de Joe Dante pour travailler avec lui sur le film qui va, bah, vous le connaissez, Hurlement les potes. Aouh. Donc un très bon film de loup-garou aussi, hein. D'ailleurs, qui sont coude à coude, concurrence directe. On vous posera la question à la fin de la vidéo, les gars. Vous êtes team... Team Hurlement ou team Loup-Garou de Londres? The American Werewolf in London. Putain de merde, quel accent. Du Massachusetts. Bravo. Donc voilà. Et bah, il tourne, donc il réalise le film avec Joe Dante. Sauf entre temps, t'as John Landis qui reçoit un appel d'Universal comme quoi c'est bon, débloque bon, l'oseille. Voilà. L'oseille a été débloquée, m'a twinté, c'est bon frère. Donc il y a eu l'oseille, le virement est là, donc on débloque la thune, frérot, tourne-moi ce film, tu vois, je veux dire. John s'empresse, prend le tel, appelle son pote Rick, lui dit écoute mec, on a le pognon, vas-y, il faut que tu viennes, il faut que tu lâches l'autre enculé. Ouais, bouge pas, c'est bon, je laisse mon apprenti. Ouais. Il est bon. Qui c'est qui ton apprenti? Il est pas mal, il a du potentiel, il s'appelle Rob Bottin, il peut se démerder tout seul, j'ai confiance en lui. Je connais pas.
tu verras, c'est un bon. Il va percer lui aussi. Ok, bon, on verra. Mais en tout cas, toi, je te veux, mon pote. Ok, donc le mec, il a dit, mon Rob, c'est le moment de prendre tes ailes et ton courage à demain, mon pote. Ouais. T'es assez grand maintenant, donc je te laisse... Je te laisse voler de tes propres ailes. Vas-y, démerde-toi avec ça. T'as du potentiel. On se retrouve. Sauf que John Dante a fait la gueule un peu. Hein, bah, tu m'étonnes. Ah. Tu m'étonnes, mec. Donc voilà. Mais bon, derrière, voilà. Mais Rick a accepté de revenir avec John. Et puis Rob Bottin a sauvé quand même Hurlement. Rob Bottin a sauvé Hurlement, mon pote, avec un beau travail aussi. Il était très très jeune aussi. Hein. Ouais. C'était, je te parle ça avant The Thing. Hein, oui, bien sûr. Il avait la vingtaine, à mon avis. Non, et puis voilà, bon bref, se sont réalisés chacun de leur côté ces deux films, sortis les deux en 81. Ouais, donc c'était le duel là. Un peu plus de pognon du côté de Loup-Garou de Londres. Ouais, 10 millions. À peu près une dizaine de millions. Un million, beaucoup moins pour l'autre. Tu vois que, il y avait beaucoup moins de budget. Oui. Bah après, ils sont différents quand même, l'un et l'autre. Mais ils sont différents. Bon, il y a beaucoup de similitudes. Bah surtout, qui fera le match, c'est les phases qu'on traitera de transformation. De transformation, ouais. Les deux sont célèbres et les deux sont très longues, surtout. C'est ça. Les deux prennent le temps. Hein. Surtout, à mon avis, elle devait être très très longue à tourner. Tu vois, c'était pas évident du tout, mec. Hein. Surtout pour l'époque. Hein. Non, bien sûr. Là, il fallait vraiment de la maîtrise, mon pote. Et puis, d'ailleurs, c'est des artistes. D'ailleurs, pour l'anecdote, pour la transformation du Loup-Garou de Londres, la scène où il se transforme, la célèbre. Hein. Bah, elle a pris quand même 6 mois pour organiser le bordel, tu vois ce que je veux dire, pour la techno. Et quand même pour un tournage de 6 jours non-stop, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Pour créer juste cette scène de 3 minutes. Bah oui. Donc c'est pas mal. Il fallait du temps. Et puis c'est surtout grâce à cette scène que monsieur Rick Baker a chopé l'Oscar aussi en 82. Oui, bien sûr. Donc chapeau l'artiste. Donc Oscar de meilleur maquilleur. Donc, oui, de meilleur effet spéciaux et tout. Spéciaux, maquillage. Quoi. Exact. Tu vois encore qu'il y avait des artistes à l'époque. Il y avait des artistes. Pas trop de CGI. Pas trop, un peu de stop motion, truc voilà. Comme ça. Il y avait un peu de CGI, mais voilà. Ouais, ça, c'était plus le maquillage qui était mis à l'honneur. Exactement. Bah oui, c'était du savoir-faire. Artistique et puis comme on n'en fait plus maintenant Bien sûr. Donc du lourd. Donc les potes sortis en 80, il y avait quelques films 81, quand même. Il y avait quelques petites pépites de Spielberg d'ailleurs. Ouais, les aventuriers de l'Arche perdue, les gars. Voilà, Indiana Jones, les potes. Indy qui était sorti cette année. Il faut savoir aussi que John Landis et Steven Spielberg, ils étaient potes. Ils étaient aussi potes. John Landis a fait un petit appelé Steven pour faire des petits caméos sur le film Blues Brothers. D'ailleurs, Flo, Blues Brothers, mec, c'est pour toi. Voilà. On sait qu'il est fan. Et puis, il se parle plus parce qu'il. Il y a eu une couille dans le pâté pendant le tournage de la quatrième dimension. Ouais. Apparemment, John Landis aurait dû dire. C'est pas une petite couille. Non, c'est pas une petite couille parce qu'il aurait pris un peu plus de risques qu'il en fallait, tu vois. Ouais. Et puis ils ont perdu un acteur et deux gosses pendant le tournage, quoi. Donc, effet collatéral. Et puis ça a ruiné un petit peu. Après, ça fait toujours moche de John Landis sur le CV, c'est pas très bon. Ouais, quoi, sur le CV, c'est un peu moche, quoi. Ça fait pas très bon, surtout. Et puis surtout que Steven Spielberg, depuis, il a dit, écoute, Johnny, je te parle plus. J'ai changé de numéro. Ciao, mec. Je me rappelle plus. Ouais. Salut, je ne répondrai pas à tes SMS. Je te dislike tout ce que tu as fait depuis et puis je ne te suis plus sur Insta. Salut, mec. Voilà. Je te unfollow. Voilà. Donc voilà, les deux ils se parlent plus et c'est vrai qu'ils se parlent plus depuis tout ce temps. Mais voilà. Ouais. T'as eu aussi Mad Max 2 quand même. Mad Max 2 de George Miller, bien sûr. George Miller qui était lourd aussi. T'avais Blowout de Palma aussi. De Brian De Palma. T'avais Scanner, les gars, aussi. Hein. Il fallait que je mette David Cronenberg aussi un petit peu, hein, les gars, vous savez. Il kiffe les trucs dégueulasses et toutes les choses, vous savez. T'avais New York. 97, de Big John, Jean Charpentier. On avait un film qu'on kiffe, nous, que toi tu kiffes surtout, The Entity. Ah oui, putain, c'est vrai. De Sidney G. Fury, bien sûr. Lourd. Et on avait Halloween 2, entre autres aussi, qui était là. Bien sûr, il y avait quelques chefs-d'œuvre. Donc pour réaliser ce film, il y a eu 2-3 acteurs, des pas connus, les potes. Oui. Oui, parce qu'à la base, j'avais lu aussi qu'il voulait Dan Aykroyd et puis John Belushi, justement. Ah ouais.
pour jouer les rôles de David et Jack. Et Jack. Okay. Mais c'est John Landis justement qui disait non, jouer des mecs un peu moins connus aussi. Ouais, tu moins vois, cher. Moins cher. Oh, et puis eux aussi, voilà, ils voulaient des mecs un petit peu. Ok. Un peu moins connus, quoi. Okay. Donc, bah, à la finale, c'est pas plus mal aussi. Bon, c'est tu pas vois. Plus mal. Après, ces mecs-là, voilà, quoi. Après, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. C'est exactement. Sûr qu'ils ont pas fait des grosses carrières non. après, quoi, ces gars-là. Mais au moins, ils ont fait le taf sur ce film, quoi. Bah oui. Donc, les deux protagonistes, H. On a dans le rôle donc de David Kessler, David Naughton. David Naughton, ouais. Qui n'aura pas fait grand-chose par la suite. Non, hein. Il a commencé avec une pub, je crois, Dr Pepper, ouais, où il présente la marque de soda en chantant et tout. Donc. Dr Pepper and I'm proud. I'm part of an original crowd. Pas une grande carrière après ce film-là, non. Et puis son pote, Jack Goodman, donc, qui est joué par... Griffin Dunne. Griffin Dunne. Pareil, lui non plus, hein, pas... Bon, il a mieux vieilli quand même. Il a une meilleure filmographie, ouais. Mais pas non, non plus non, c'est transcendant. Pas, non, c'est pas transcendant. Il aura fait quelques séries, il a ouais. Trois apparitions sur des séries TV, des trucs comme ça. Et puis après, t'as aussi l'infirmière. Donc, Jenny Agutter. Voilà. Agutter, voilà. Ouais. Bah, elle qui joue le rôle donc, de Alex. Alex, ouais. Alex Price, si ouais. Je dis pas de conneries, ouais. Oui, c'est ça. Une jeune infirmière un petit peu entreprenante aussi. Un petit peu entreprenante. Ouais. Qui donne à manger, qui schnitzel avec. Qui s'occupe la purée. Bien de son patient. Hein. Ouais. Pas tous les patients, mais bon, tu te dis, nom de Dieu. Il a eu la chance d'être tombé sur elle. Hein. Ah oui, ouais. Il s'est bien amusé le coquin. Non, je te jure, il s'est amusé quand même. Mais voilà. Puis t'as le docteur Hirsch, mais je sais plus c'était quoi son blaze, je vais pas te mentir. John Woodwin, donc lui aussi, je Woodwin. Sais pas s'il aura tourné sur des trucs, je sais pas trop sa carrière. Mais c'est le docteur Hirsch, c'est le médecin de l'hôpital où va se retrouver après David. Et voilà, niveau acting, c'est à peu près tout, on va dire, de lourd, bah des principaux du moins. Oh, il y a aussi Brian Clover, ça on peut le dire pour les fans de Alien 3 aussi les gars. Dans le bar, ouais, de Ice Proctor. Là. Ouais. Donc Brian Clover, donc on a besoin de le présenter, c'est le président, enfin c'est le directeur de Fury, de la prison, de la planète prison dans Alien 3 de Fincher. Hein. Voilà. Donc ouais, Harold Andrews quoi. Faut lui rendre hommage quand même. Ah oui, t'as raison. Alien 3, c'est du lourd quand même. Donc voilà. Donc le pitch, d'ailleurs. Le pitch, c'est assez classique et assez simple. Hein. C'est deux potes. Deux potes qui décident de faire un petit road trip. Américains, quoi. Deux Américains, oui. Ouais. c'est bien de le préciser, bah oui. Parce que là-bas, ils le précisent bien. Américains qui vont faire un trip Londres-Italie par oui, la suite. Oui, et puis ils vont faire. Visiter un peu l'Europe, mais ils commencent par le nord de l'Angleterre. Mmh. Exactement. Dans les Landes. Quoi. Ce qui ne va pas leur réussir, du moins pour l'un des protagonistes, l'un des potes. Pour Jack d'ailleurs, ça va être un peu la merde. Justement, bon, ils se font emmener par un fermier avec des brebis, avec des moutons. Ouais. Ils arrivent dans un village en fait, East Proctor, donc un village où il n'y a personne. Où il n'y a personne et puis où c'est assez convivial quoi. C'est assez convivial parce que t'as le pub du coin quoi. T'as le pub de la gare, tu vois. Exactement. c'est ça qui s'appelle l'agneau abattu. C'est assez bizarre, non ? L'agneau abattu, ouais. Et ils se disent, comme il fait froid, tu vois, on va rentrer, on va se boire un petit thé, on va manger un petit truc, se taper un petit Ovo Maltine. Peut-être un agneau à bouffer ou quelque chose, voilà. Vu que c'est écrit sur le. Exactement. Sur la pancarte. Ouais. Voilà, donc ils rentrent. Et puis un accueil légendaire. Très chaleureux. Très chaleureux. Bonjour. Tu sens qu'on accueille bien les touristes. Les touristes. Les touristes américains. Gueule, tout le monde les regarde. Comme dans vraiment l'américaine. Comme dans un western. Mais comme dans un western. Arrive. Ça rentre, tout le monde te mate comme un con. Puis avec insistance en plus. Ouais, hein. Ouais. Ils te matent pas scred. Ils te matent comme un enculé, mec. C'est comme ça. Ouais, une vingtaine de types comme ça. Putain de puis merde. La barmaid d'ailleurs, au lieu d'être accueillante et tout. Donc là, il y a du pognon qui rentre. Généralement, je sais pas. Dans la restauration. J'ai des conneries, je sais pas. Oui, mais pas là-bas. Ok, bref, eux ils s'assoient, tu vois, ils leur demandent vous avez quelque chose à boire, un café. peut-être un chocolat chaud, qui sait, ou du thé chaud. Vous auriez de la soupe? Non. Est-ce que vous avez du café? Non. Est-ce que vous avez du chocolat chaud? Non, on a rien de tout ça. On a que de la bière. La bière? Vous avez du thé? Oui, du thé. Je dois vous le faire si vous voulez du thé. Ça me fait chier. Avant que de l'alcool et des bières, si vous voulez du chaud, vous pouvez avoir du thé. Alors vous avez du thé? Non.
Je peux vous en faire. Mais bon, je vais vous le faire quand même, parce qu'apparemment vous êtes des Yankees. Bon, bah faites-le s'il vous plaît. Merci. Alors. Et voilà, puis ça part comme ça. Puis là, tout le monde reprend un peu ses habitudes. Il y en a qui jouent fléchette, ouais. Tu vois, il y a le chauve, bah justement, le gardien de prison de Alien 3, là, oui. Qui discute avec ses potes, qui raconte une blague, justement. Bon, je vais pas vous la dire, parce que je me souviens plus par cœur. Autant, t'as les deux potes qui voient un pentagramme, en fait, dans le mur du fond. Ça crée un malaise, là. Ah ouais, direct. Parce que justement, Jack demande à la fin de la blague, hey, « Eh, mais c'est quoi le pentagramme, là-bas, sur le mur ?»« Excusez-moi, mais pourquoi y a-t-il une étoile à 5 branches sur le mur ?» Puis là, tout le monde le mate. Ça crée un malaise, comme tu dis. Le mec, il loupe sa fléchette. Ouais. D'ailleurs, cet acteur-là qui s'appelle David Schofield, qui jouait aussi dans Gladiator, lui. Hein, qui jouait le général. Ok, un général. Un général romain. Ok. Voilà. Bah tiens, bah bien joué encore une fois. Merci. Que je te dise. Bien joué de mettre des noms sur des acteurs. Et qui était doublé par Jean-Pierre Leroux. Okay. Donc Jean-Pierre Leroux, les gars, c'est la voix de Richard dans Croco. Question crocodile, on est zéro, mais une Chevrolet à poil dur, ça peut vous bousiller un gars aussi. Ah oui, ah de Richard. Voilà, ah, putain, petite dédicace à Richard. Dédicace à lui, mec, bien joué, pourquoi pas. Ok. Quand même. Bah oui, quand même. Puis là, justement, tout le monde ferme sa gueule, tout le monde les mate. Ouais, qu'est-ce que ça peut vous foutre, c'est quoi ce pentagramme, de toute façon, qu'est-ce que vous vous occupez de nos affaires. Oui. Et ah, puis c'est bien que vous dégagiez. Ouais, en fait, partez maintenant. Jack, vaut mieux s'en aller. On veut plus vous voir ici. Allez, barrez-vous, s'il vous plaît. Américain de merde. Ah oui, c'est ça, un merleux qui a la con. Putain de merde, là, ils viennent ici, ils cassent les couilles. Là, ils comprennent pas, tu vois, la question. Bon, la question, c'est vrai qu'il fallait oser, vous y demander ce truc satanique à la con, qu'est-ce qu'ils vendent là avec des bougies de merde. Et puis c'est surtout l'autre, il dit, j'ai loupé, je loupe jamais normalement. Vous m'avez fait louper le coup. Désolé. Il n'avait jamais loupé ma cible avant. Ah ouais, pour la fléchette. Ma fléchette dans la cible. À cause de vous, j'ai loupé, bordel de merde. Hein. Donc ça me fait chier. Ouais, ça me fait chier. Donc barrez-vous maintenant. Mais juste avant qu'il se barre, par contre, n'allez pas sur les landes, les potes. Partez. Restez sur le roulis. Ne pénétrez pas dans la lande. Ouais, restez sur la route. Ouais, restez sur la route. Et puis... Et puis filez, faites quoi. Attention, marchez vite et puis ne vous retournez pas. Ouais, mais marchez très vite, les connards. C'est la pleine lune ce soir. Voilà. Là, faites attention à la pleine lune. Oui. Bah ouais, je alors, dis rien. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Non. Ouais, chez nous, la pleine lune, voilà, il risque de se passer quelques péripéties. Parce que voilà. Je dis ça, je dis rien. Vous... Pourquoi? Nous, on reste entre nous ici. Voilà. On pourrait, ici, on pourrait rentrer à la maison. Ouais, eh ben non. On reste allez. Au bar de l'agneau abattu. L'agneau abattu. T'as vu le logo? Voilà, ouais. Normalement, tu regardes le logo, tu te fais spoil déjà. Donc, ouais. Donc voilà, eux ils partent de leur côté, ils prennent pas, tu vois, ils prennent pas l'avertissement au sérieux, tu vois. Ils se disent, ouais, fuck, bah, c'est des tarés, ouais. Tu vois, ils sont tous alcoolisés. Mais allez, viens Dave, on se bat, on va chanter un peu en marchant. Sauf c'est teubé, en marchant, ils vont sur les landes, quoi, dans les landes. Ils se tapent là une petite pluie en même temps. Ah ouais, ils se perdent, quoi. Et puis ils se perdent. Ils se perdent, et puis là. Là on entend. T'as entendu? J'ai entendu. On entend un hurlement, quoi. Un joli hurlement, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis même dans le bar, ils l'entendent. Oui, même après, ils l'entendent aussi. Mais la barmaid, elle dit, les gars, putain, on a fait les cons. Hein. Vous voulez pas aller les chercher, les gars? C'est deux gosses. J'ai entendu. Oh, il faut essayer de les sauver. Vous savez en plus ce qui se passe chez nous quand ça gueule comme ça. Ah non, moi j'ai rien entendu. J'ai rien entendu. Moi non plus. T'as entendu quelque chose, toi? Rien du tout. Ça repart et tout. Mais là, t'as entendu, bordel. Non, putain, je te dis que j'ai rien entendu. Je les emmerde, de toute façon. T'sais. Ils avaient qu'à pas venir. Bah voilà. Ah oui, mais c'est ça. Et puis eux, bon, on repart sur leur côté. Mais, eux, ils entendent de nouveau les cris et ils disent, t'as entendu quelque chose? T'as entendu? J'ai entendu. Ah ouais, non, mais après, ils sont perdus, les mecs. Ouais, ils sont perdus, là. Ils disent, bon, attends, on retourne à l'agneau abattu, frérot, parce que là, je préfère l'ambiance de merde que ce qui se passe, là, tu vois. Sauf, c'est trop tard, mec. C'est devenu les cibles.
C'est ouais, puis ça, ils sont perdus, ils savent plus où aller, ouais. Et puis ils sentent une présence, quoi, ouais, qui les suit. Ouais, et puis tout près, gauche, ils disent. Tout près, ouais. 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 Et puis mon gars, ça, tu dois te chier dessus, mec. Bah, oui, parce que là, t'es vraiment. Aussi, ils sont à moitié cons, ils vont à l'aveugle, les teubés. Ils s'attendaient pas non plus à tomber sur cette chose. Au début, ils croyaient que c'était un animal, peut-être. Et d'ailleurs, il dit c'est peut-être un coyote. Il n'y a pas de coyote ici, connard. Ça peut être un tas de choses. Ah oui? Et un coyote? Il n'y a pas de coyote en Angleterre. T'es en Angleterre ici, mec. Arrête! T'es plus chez toi, mon pote. C'est ça. Puis bref, ils vont tomber, donc ils vont se faire attaquer par le célèbre loup-garou. Ouais. Donc un loup-garou chauve, hein, qu'on va percevoir après, qui va se faire tirer dessus. Donc justement, ce loup-garou attaque Jack. Espèce de con, tu m'as foutu une de ces trouilles. Alors aide-moi à me relever. Jack, oui. Bah moi, une petite petite dédicace à Jack parce que David, c'est un gros bâtard à ce niveau-là. Ah, hein, tu vois ce que je veux dire, toi. Parce qu'à la finale, le mec, c'est son meilleur pote et il se barre comme une petite salope, tu vois, de peureuse. Ouais. Et après, il vient l'aider, mais mec, c'est trop tard. Il s'est mort. Fait bouffer la gueule. Il n'y a plus rien. Et même le comment il s'appelle, Jack. Jack ou Jeff? Jack, celui-là qui se fait bouffer. Ouais, Jack, il devrait lui dire, hey, mec, c'est trop tard, casse-toi, espèce de connard. Il peut pas lui dire, donc c'est plié là. Ah non, ça, j'ai trouvé ça au niveau courage, un petit peu de la merde. Mais justement, il reprend ses couilles, il revient dessus, sauf lui aussi, il se fait attaquer. Ouais. Mais par griffer. Chance. Les mecs du bar arrivent. L'agneau abattu. Ouais, ils sont là, ils ont dit bon bah voilà, elle nous a convaincu la barmaid, donc on vient on va vous aider. Ces dégâts. Voilà, ils tirent sur le loup-garou, ils tuent le loup-garou. Et lui, il est sous le choc, sauf il s'est fait griffer le loup-garou, bien sûr. Le problème, c'est quand tu te fais griffer, normalement, tu chopes cette maladie qui est la lycanthropie, qui te rentre par le blood, tu vois ce que je veux dire. Et puis après, tu deviens un loup-garou. C'est griffure ou morsure aussi. Voilà, morsure ou griffure. Voilà, c'est à peu près ça, il me semble. Après, je ne sais pas toutes les Dans le lore des loup-garous. Façons, parce que je crois que j'avais vu aussi que t'as si tu bois si tu manges, je crois, de la viande de loup-garou, Dieu sait quoi, ou si tu baignes là où un loup-garou, ou un loup buvait, ou des conneries comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, il y a des cérémonies et des sorcières qui peuvent aussi te transformer. D'ailleurs, ils disent en tant qu'humain, pour les reconnaître, ils ont un nouveau sourcil, d'après ce qu'ils disent. Ah bon ? Ouais. Nom de Dieu. Bonsoir. Okay. Voilà, si vous avez un mono-sourcil dans votre entourage, les potes. Méfiez-vous, bordel. C'est peut-être un lycanthrope dans votre famille, les gars. Faites gaffe. Il a le McDonald's ici. Faites gaffe, les potes. On sait jamais. Pleine lune, ça peut vite arriver, ces conneries. Voilà, donc comme on disait, les habitants de East Proctor tuent le fameux loup-garou. Le problème, c'est que lui, il tombe dans les vapes. Ouais. Je crois qu'il reste à peu près 3 semaines d'ailleurs, ou 6 semaines, je me souviens plus, 3 ou 6 semaines dans les vapes à l'hôpital, il se réveille, il tombe. Il s'occupe bien de lui en plus, hein. Il est bien. Parce qu'il y a l'infirmière, le médecin, il est sympa. Il reprend conscience, quoi. Ouais, c'est ça. Il reprend conscience, tu vois, à l'hôpital. Et gentiment. Il va faire la connaissance de cette fameuse infirmière, donc Alex Price. Ouais. Et du médecin, Dr. Hirsch. Qui lui, pour eux, en fait, parce que East Proctor, le village, a camouflé le bordel. Ouais, ils croient que c'est un meurtre, quoi. Ils disent que c'est une personne folle qui les a attaqués. Ouais. Ce fou furieux devait avoir une force terrifiante. On dit qu'un fou peut avoir la force de 10 hommes. Quel fou. Un taré, tu vois, du coin. Puis eux, ils l'ont tué, et voilà, ça s'arrête là, tu vois, je veux dire. Pas de bol pour... Et ils ont annoncé comme ça le cas, tu vois. David, en ce qui nous concerne, l'affaire est classée. Nous ne vous dérangerons plus. Au revoir. C'est ça. Donc l'affaire est classée, on va dire, pour Scotland Yard. Oui, c'est vrai, assez rapide, oui. Hein, c'est ça. Mais lui supplie le médecin de le croire, lui dire que c'était pas un homme, c'était un animal qui m'a attaqué. Regarde. Tu crois regarde qu'un... ça. T'as vu ou pas? Regarde les griffures, enfoiré. Tu crois qu'on s'est fait ça comment? T'as vu la gueule à Jack ou pas? Non, j'ai pas vu. Non. Ah, justement, il a pas vu. Il a pas vu. Il le dit mec, que non, j'ai, non pas vu. J'ai pas vu. Bah, si t'avais vu sa gueule, t'aurais vu que c'était pas un homme. Et vous avez vu Jack? Non.
Et en fait, vos blessures avaient été nettoyées et pansées avant que vous arriviez ici. Donc, Méfiez-vous. Des fois, un humain est capable de diverses choses et très violentes. Surtout là-bas où vous étiez. C'est connu, il ne faut jamais aller là-bas. Déjà, qu'est-ce que vous êtes allé foutre là-bas, les mecs? Il n'y a pas d'autre endroit en Angleterre. On était à l'agneau abattu. Ouh, putain. Ah, là-bas, vous étiez. À l'agneau abattu. Bah, mais il fallait me le dire tout de suite, bande de tarés. Jamais aller là-bas. Mais jamais. Mais vous avez encore de la chance d'être en vie, vous, monsieur. David. David. Mais bref, personne va le croire, tu vois. Lui, pendant sa convalescence à l'hôpital, il va faire divers rêves. Oui, il un fait peu des... chelou. Un peu chelou, oui. D'ailleurs, alors, très chelou. Des significations, j'imagine. Bah, d'ailleurs, on apprend qu'il est juif. On apprend qu'il est juif, justement, parce qu'il y a un rêve qui est assez choquant, d'ailleurs. C'est ouais, vrai, peut-être bah, le meilleur des rêves qu'on voit. Ouais, il est stylé, ce rêve-là, avec les loups-garous nazis, là. Il, y a, il est chez lui, le mec, avec sa famille, tu vois, son sa père, famille, tu vois, sa mère. Sa petite soeur, son petit frère, je crois, aussi. Et ça sonne à la porte pendant qu'il regarde les Muppet Show, je sais pas quelle merde. Et là, d'un coup, il y a un trip. Il y a des démons SS qui arrivent, les potes, ça sort le flingue, bam, 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 ça tire. Ça canarde, mec, ça canarde bien. Hein. Ça crie, ça bug en plus. Ça crie, mec, et puis les masques, ils sont bien faits, mec. Hein. Non, ils sont bien faits, ouais, ils sont bien faits. Puis voilà, bien fait. C'est stylé quand même. Il se réveille d'un coup, et là, il voit Alex, tu vois. Et là, il dit que c'est bon, il s'est réveillé. En fait, c'est un rêve, c'est un rêve dans un rêve. Voilà, parce qu'Alex ouvre les rideaux, d'un coup, il y a de nouveau le zombie là, qui revient. Le loup-garou nazi. Ouais. Nazi, quoi, qui plante Alex, et là, il se réveille enfin, tu vois. Putain, il se dit, nom de Dieu. Et voilà. C'est bizarre quand même. C'est j'arrête bizarre. Pas de faire des rêves d'enfoiré depuis quelques temps. Où je me balade à poil dans les forêts, je mange d'une biche et tout. Avec du sang bien rouge vif et tout. Du sang frais quoi. Du sang frais, donc, tu vois. Voilà. Et puis il a pas faim en plus le mec. Non, il a plus la faim par contre. Il a plus de faim. Non. Ah non, j'ai vraiment pas faim. Merci. Il faut quand même que vous mangiez quelque chose. Parce que même la meuf, elle dit, il faut becter, cousin, on se fait mais chier. Il veut même peu. Pas la viande, en non, fait. Non, non, parce non. que dans certains films de loup-garou, je crois d'ailleurs le film de loup-garou de Paris, il me semble, je crois qu'il aime la viande crue. Crue, tu vois, au moment, tu vois. C'est saignant. Tu comprends? Ça ira. Bon, bleu. Même dans Hurlement, en fait. La viande bleue. Même dans Hurlement, ouais, la viande pas bleue. Pas trop cuite, tu vois. Pas de sel, poivre. Non. Assaisonne-moi pas cette merde. Je l'aime nature. Sors-la du frigo et voilà. Tu la donnes. Bien fraîche. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais lui, non, il n'y a pas ça. Non. Il n'y a du pas coup, ça. Il écoute du son avec son petit casque. C'est ça. Et puis elle s'occupe bien de lui, tu vois. Lui donne à manger quand elle l'oblige à manger. Ouais. Et il y a un crush. Il y a un petit crush. Déjà avec sa copine, l'autre infirmière aussi, elle dit oh, ils sont mignons les Amerlocs là. Ouais. T'as regardé son 11 gag. La feuille de santé dit qu'il vient de New York. Ah oui? Je crois que c'est un juif. Bah, pourquoi tu dis ça? J'ai jeté un coup d'œil. Oh, Suzanne. Je crois qu'il est circoncis le bâtard. Et puis il met un oh, hey, calmez-vous. Madame Gallagher, c'est pas comme ça qu'on fait. Nom de Dieu. Vous avez certainement une fonction quelconque dans cet hôpital? Oui, docteur. Alors allez vous en acquitter. Oui, docteur. Vous allez vous calmer les chaudasses, là. D'accord. D'accord. Non, laissez-moi quoi, faire mon boulot, barrez-vous. Mais voilà, c'est bref, clair. Elle s'occupe bien de lui. Mais sauf un matin, il y a son repas qui arrive. C'est ça. Et il voit Jack, son pote, qui apparaît. Ah putain, ça c'est une des superbes scènes encore. Donc là, on peut voir déjà le boulot de Rick Baker. Voilà, bah, j'allais y venir. Là, tu vois le travail d'orfèvre de Rick Baker. Parce là, que c'est dégoûtant. Le masque là, il est génial. Bah, ça pendouille, ça c'est stylé. C'est impressionnant. Hein. Ah, et là, ça a très bien vieilli. Et ça a très bien vieilli. Un truc de ouf. Les maquillages sont vachement superbes. Après, ça a dû prendre une chier de temps parce que j'avais lu. Que paraît, c'était galère aussi à les porter et tout, mais non, magnifique, ça a très bien vieilli. Chef d'œuvre. Ouais, et justement, il le voit, donc je pense une hallucination. Hein. Bah oui. Et il Jack lui explique la raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Il lui dit en fait. On a été attaqué par un loup-garou, frère. Voilà. Nous avons été attaqué par un loup-garou. Non, pas écouter ça. Dans la langue, nous avons été attaqué par un lycanthrope. Un loup-garou. Et maintenant, t'es devenu un lycanthrope. Et moi, tant qu'il y a cette putain de malédiction moi, de merde. Je erre ici, là, comme un je erre dans les limbes. Tu d'ailleurs, vois, tu vas manger tes œufs là.
Ouais, bah tiens, okay. Bah donne-moi. Alors, je vais me tartiner un petit peu parce que c'est vrai que j'ai rien becté depuis. depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines, je commence à avoir la dalle. Donc, non, c'est ça. Donc maintenant, tant qu'il y a cette maladie, ils vont rester errés en fait. Bah, dans les limbes avec les morts. Voilà, ils peuvent pas. Non, ils peuvent pas aller au paradis. Alors. Au paradis. Ou en enfer. Et voilà. Et il explique ça à David et il dit il faut que tu te suicides, mon pote. Arrête tes conneries. Non, il faut que tu tues, il lui dit. Prends ta vie, David. Suicide-toi. Avant de tuer les autres. Il faut que t'arrêtes ça. Tue-toi, bordel. En plus, tu vas te transformer, tu vas te faire du mal et tu vas tuer des gens. C'est pas vrai. Il crie, il appelle l'infirmière et là, il disparaît. Genre. Ouais. Bon, bah, là, elle arrive, il embrasse l'infirmière direct. Ouais, direct. Ouais. Smack sur la gueule et là, il dit, je suis un loup-garou. Oh, arrête tes conneries. Je te jure, Jack, il m'a dit, mais Jack, votre ami, Jack Goodman. Mon ami Jack était ici à l'instant. Votre ami qui a été tué? Oui. Mais il est mort. Bah oui, mais il m'a dit que j'étais un loup-garou. Ok. Ouais, t'es complètement con, David. Mais tu sors demain, si jamais. Ah, ça fait plaisir. Donc voilà, arrivera enfin le jour de la sortie où ils se retrouvent. D'ailleurs, parlons-en parce que on va arriver bientôt à cette scène que tout le monde connaît de la transformation. La scène iconique du on film. On arrive quand même au bout d'une heure de film. C'est clair. Et puis ce qui est bien, c'est que tout le premier. Ça prend le temps et c'est ça qui est bien aussi, tu vois. C'est ça. C'est que tu vois à travers, ça pose l'ambiance, quoi. Ça pose l'ambiance où tu te ressens pas d'un coup une pensée à Twilight, tu vois ce que j'ai dit. Ah, oui, oui, ça, truc, c'est... Ça. Paf. Comme ça, ouais, c'est clair, ça, hein, c'est différent. C'est vraiment, tu vois le traumatisme s'installer. D'abord, t'as des visions, t'as des trucs chelous qui se passent. J'ai plus la faim, ouais. Tu vois, je veux dire, ouais. La lumière, je la supporte pas trop c'est non ça. Plus, tu vois. Ouais, ouais. Des délires comme ça, tu vois, où c'est amené gentiment, très gentiment, ce qui prendra une heure, tu vois, amener tout ça. Bah oui. Voilà. Et donc lui, bon, il sort de l'hôpital, il se fait héberger par cette nouvelle dame. Bah oui. Iken. Et Iken dès le premier jour. Iken, ouais, voilà, sous la douche, donc c'est bien. Il se dit, bon, bah voilà, cool. À la finale, j'ai perdu mon meilleur pote, mais j'ai trouvé le lobe, donc ça c'est compense. Ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que j'ai plus faim, bordel de merde. Tout me file la gerbe. Hein, tout est pourri, mais le lendemain, justement, après avoir Ken, lui, il sait qu'il... ce matin-là, ouais. Il recroise Jack, d'ailleurs. Oui, mais qui est un petit peu plus pris dans la gueule encore. Alors, il pourrit de plus en plus. Tu n'es pas réel. Il est tout vert, le bâtard. Là, il commence à pourrir et à devenir putréfié, le mec. C'est ça, et ça va être une routine où il va venir tout le long du film, l'avertir, lui dire suicide-toi, car il te reste un jour avant de te transformer. Dépêche-toi, regarde ma gueule. Regarde ça. Regarde ce que tu m'as fait, enfoiré. Ouais. Regarde. C'est ça. C'était ton idée d'aller dans ces pays de merde en plus. On n'était pas bien chez nous là-bas. Ah oui, puis chez Debbie Klein. Ah oui, mec, et voilà, il le remet en garde. Lui, il va prendre l'avertissement. Il va le prendre au sérieux, mais je trouve que. Voilà. Ouais, mais en même temps, tu peux. Tranquille, quoi, parce qu'il déconne bien aussi. Avec sa nana. Ah oui. Peut-être il se dit que c'était peut-être pas ça aussi, tu vois. Donc, tu vois. Jusqu'à que ça arrive la fameuse scène où là, Mais attends, avant la fameuse scène, t'as le médecin, Dr. Hirsch, qui, à force de se faire saouler donc, par David, à lui dire que c'était un animal, c'était Ice Proctor, c'était l'agneau abattu, lui, de son côté, il va faire une petite enquête. Quand ouais, même, tu vois. Il va mener il va se rendre sur place. Ouais, il va aller carrément... À l'agneau abattu, interroger quelques Toujours lascars. Les mêmes personnes dedans, dans le bar, toujours la même ambiance chaleureuse, accueillante ou possible. Oui, c'est ça. D'ailleurs, l'autre, il veut boire un martini, je crois. Ouais, je crois, on n'a pas de cette merde ici. Bon, bah, mets-moi une Guinness, alors. Eh bien, alors, je me contenterai d'une petite Guinness. Mm-hmm. Voilà, okay, c'est ça qu'on aime. Voilà, là, on parle. Là, on parle. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir, maintenant? Dis-moi tout. Le barman qui est ici. Hein? Voilà. T'es docteur, toi, alors? Mais bref, il pose trop de questions, là, et ça dérange les gens, tu vois. Ça dérange le directeur de la prison d'Alien, ouais. Le directeur, parce qu'il commence à dire, ouais, vous avez entendu l'histoire des deux Américains qui se sont fait attaquer ici par un... Et là, ils se regardent tous, tu vois. Alors, vous n'avez pas entendu parler de cet incident? Quel incident? Le meurtre. Au nom de Dieu, non. Non, on n'a rien entendu. Vous parlez de quoi? Non, on n'aime pas ça, d'ailleurs, que des gens viennent fouiner dans nos affaires. Hein? Vous avez quelque chose à manger? Non, il n'y a rien à manger ici. Il n'y a rien pour vous ici, monsieur. Alors, ce serait peut-être mieux que vous dégagiez, vous aussi, maintenant. Rapidement.
L'autre, le mesquin, il a bu une gorgée de sa Guinness. Il a dû se barrer. Sauf, il y en a un entre temps, d'ailleurs, le tireur de fléchette. Le tireur de fléchette. Qui se barre avant. Et on... pendant que Dr. Hirsch veut se barrer à la bagnole, lui, l'autre, il sort dans, un, dans une allée, là, au fond, là, tu vois, comme ça. Hey! Juste, il le regarde, très simple, et l'autre, il le voit. Venez! Bref, il va, et là, il lui raconte comme quoi. C'est la merde, on n'aurait pas dû le laisser partir ce jeune. Faites gaffe à la pleine lune, et il va se passer quelque chose. Faites attention quand même. Il se passe des choses bizarres dans ce pays. C'est bien ce que j'avais compris. Et c'est bientôt la pleine lune. Il va changer. Sauf ta directeur de Alien qui... Hey, ta gueule, hein. Ta gueule, hein. Tais-toi, ça suffit. Tais-toi, ça suffit. Tu parles pas, toi. Arrête maintenant. Allez, casse-toi. Casse-toi. Il se barre, Docteur Rich. Désolé, je dois y aller. Au revoir. Il se barre en boitant là. Comme bref, comme voilà. Mais voilà, il a eu des informations. Ouais. Il est au courant de quelque chose. Il y a un truc qui a été caché par East Proctor. C'est ça. Et puis que même les deux condés teubés de Scotland Yard. Aussi teubés. Vraiment. D'ailleurs, il va avoir une fin funeste, le gradé là. C'est clair. Ouais. Mais voilà, bref. Comme tu voulais venir à la scène, Alex Price, elle va bosser. Lui, il reste à la baraque, il va essayer d'ouvrir le frigo, il a toujours pas la dalle, il y a rien qui vient. Va passer le temps, tu vois, où il va commencer en tournant en rond, et d'un coup, ça vient d'un coup, les D'un potes. Coup, mec, t'es... Bim. Bam. Emmanuel. Non. Transpiration. Là, transpiration au max. Il fait de chaleur, bordel de merde. Putain, mais il déchire son t-shirt. Grave. Et il crie, hein, il bug. Ah ouais, il crie bien. Mec, il a mal, hein. Tu sens la douleur. Ah, ouais. Et ce qui est génial dans cette scène, c'est que elle est en plein jour, quoi. Elle est en plein jour. Pleine lumière. Et puis, pas en plein jour, mais en lumière totale. Et puis imagine, en plus, comment ça devait être chaud pour Rick Baker de tourner ça. Tu vois, je veux dire, en mode comme ça, en plein jour, sans artifice, sans ombre, sans machin. C'est là que tu vois le travail d'hors pair de l'artiste, quoi. Non, donc lourd. Incroyable. Et puis cette scène-là, ouais, bah, c'est la scène du film. C'est la scène du film. Ça, voilà. C'est la scène du film. C'est la monstrueux. Scène du film. Oui, c'est là où génial. Ça met le paquet, quoi. Ça vient une heure après, mais elle vaut la peine. Quoi. Ah, lourd. Rien que pour cette scène-là, mec, ce film-là, elle vaut le coup. Dinguerie. Non, dinguerie, parce que tu vois plus de 3 minutes la transformation, tu le vois qu'il souffre, il crie. Puis il vois, gueule. Ouais, c'est clair, tu vois la souffrance. Ah ouais, tu vois la souffrance sur son visage. Les pieds, la patte qui grincille, tu vois sa gueule. Elle est un peu drôle même la scène. Bah ouais. Moment, il est sur le dos là, ouais, puis c'est pieds, comme ça, il regarde, comme ça bouge pas. Mais non de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est chaud. Avant de continuer sur le film, parlons de l'anecdote célèbre avec Michael Jackson. Bah bien sûr. Quand il a vu cette scène, il au ciné. Il a dit, nom de Dieu, mais c'est qui ce mec qui a fait ce film-là? Et c'est qui a fait ce monstre génial? Je le veux dans mon clip. Ah, c'est ça. Bah voilà, bah, c'est John Landis qui a réalisé le clip Thriller et Rick Baker qui a travaillé donc pour les effets spéciaux, ouais. Qui a transformé Michael en loup-garou, super et, bien fait et d'ailleurs, quel clip, magnifique. Et quel clip, ouais. Et quel court-métrage, clip. Génial. Super. Thriller, super. Mec. Ah ouais, c'est lourd. Et ça a été un succès commercial, bien sûr, qui est, je crois, l'album le plus vendu au monde, il me semble, encore actuellement. Ouais, ouais. Et puis un des best, ouais. Un des best albums, et puis un des meilleurs de Michael aussi. Ouais. Ouais, ça, bien, c'est sûr, clair, bien sûr. Donc, en reposant paix, MJ, t'adore, frérot. On te kiffe. Venons-en à cette transformation. Comparaison avec Hurlement, donc parlons-en un peu quand même. Bah oui. Donc une scène aussi qui dure très longtemps, hein. D'ailleurs Hurlement aussi, à peu près 3 minutes aussi, un peu moins il me semble, mais... Tout petit peu moins, mais ça reste dans le même délire. Voilà, où ça se transforme, et là, il souffre, mais ça prend le temps aussi, hein. Attention, c'est bien fait, hein. Robotine aussi, a mis le paquet, Oui. Donc mais là, c'est c'était vraiment une baston, attention, c'était concurrentiel, c'était l'apprenti contre le... l'élève contre le maître, tu vois, je veux dire. Donc c'est chaud, hein, c'est... Voilà. C'est pas mal. Et puis les deux loups-garous sont... Et voilà, sont après, stylés. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le loup-garou de Londres, c'est un loup-garou à quatre pattes, tel un chien, on va dire. Moi, ça m'a fait penser un peu à un gros chien. Bah oui. D'ailleurs, c'est inspiré de son chien, Bosco, il s'appelait. Bosco, donc du chien Bosco de Rick. De Rick. Donc du chien du maquilleur. Ouais.
Et de l'autre côté, dans Hurlement, on a un loup-garou un peu plus... voilà, l'archétype, bipède. L'archétype même du loup-garou, ouais, bipède. Debout, ouais. Voilà, l'homme-loup, quoi, qui marche exact. À deux pattes. Un dogman. Un dogman, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est donc, ça. Voilà, qui est, et lui, par contre, il marche à deux pattes, et il y en a plusieurs dans Hurlement, mais ouais. Voilà. Et voilà, c'était un peu pour faire un peu la comparaison. Vite fait. Bah oui. Et voilà, bon, là, il est transformé en loup-garou, c'est la pleine lune, et ça va bouffer quelques mecs. Bah oui, ça va bouffer quelques mecs. Que total kill count 6 mecs ce soir-là. C'est pas mal. Dont un dans le métro à la fin qui fume, qui est pas mal aussi. On voit en vue subjective les potes. Donc il y a une ambiance métro, ambiance très, voilà, très calme, tu vois. Il n'y a plus personne dans le métro. Lui, il commence à entendre du bruit. Il dit arrêtez maintenant, hein, d'accord. C'est pas drôle. Je vous assure que ce genre de plaisanterie n'est pas amusante. C'est vrai, ouais. Non, bah, voilà, ouais. Il se fait suivre par un gros chien. Et puis c'est bien amené, tu vois. C'est pas... D'ailleurs, justement, John Landis voulait ne jamais voir le loup-garou, car ouais. À la fin, on le voit ou un peu très plus. Peu, vois, ou très peu, justement, pour. Mais. Tu ressentes la peur à travers la caméra, quoi. C'est ça, mais justement, Rick a tellement mis le paquet, il a vu son boulot, qu'il s'est dit non, il faut qu'on monte quand même. Ah ouais. c'est pas de la merde ce qu'il a fait. Ah mec, ouais. Il a pas travaillé quand même pour rester derrière. C'est ça, en POV, quoi, le mec. Voilà. Hein, tirage à dire. Donc, et allez, on va lui montrer quand même son boulot, quand même, le gars. C'est clair. Non, il aurait jamais connu de gagner cet Oscar. Je pense. Non, puis d'ailleurs, il avait dit, putain, il avait mis une chier de temps justement pour faire la transformation. Puis c'est ça. Il a dit, mec, t'as mis que 3 minutes. Ouais mais mec c'est déjà pas mal non. Tu veux combien non. Il préfère, on suggère, c'est mieux. On voilà. Te montre un peu, on te fait plaisir. Non mais après John Landis avait, dès le départ du film, avait dit je veux une transformation où déjà que ce soit impressionnant. Et puis la souffrance que la qu'on ressente la souffrance. La comparaison avec Twilight, oui, ça c'est clair. Où ça saute et puis ça pouf. Un gros chien ouais. C'est voilà. Facile ça. Même moi facile. Je veux devenir un loup-garou alors. Ah bah oui c'est stylé. Puis il est mignon en plus. En le plus, loup-garou de toi. Twilight tu vois. Il a des jolis poils et tout. Non, il brille il est beau, la nuit. Il est beau. Il est très beau il comme beau. Chien. C'est un beau chien beau. C'est un beau chien. Beau chien géant oui. Un géant chien. C'est un très géant chien. Donc voilà. Il attaque. Il se réveille le lendemain. Comme vous savez, les lycanthropes se réveille la journée sans aucun souvenir, ouais. À poil la bite à l'air. Il se réveille dans un zoo. Donc dans une cage à loup quoi. Ouais. Et il repart, mais lui il se dit. Somnambulisme chronique. Il prend pas. Tu sais, par hasard, ça tombe au moment où son pote lui dit ouais. Tu vas te transformer. Non, mais il tilte pas plus que ça. Hein, non, il dit ça doit être les cachetons là, ouais. Peut-être c'est les médicaments c'est que j'ai dû prendre. Et même Alex, quoi, il revient quand il l'accueille, ouais. Il se dit pas. Peut-être t'as foutu la merde, non. Et ensuite, je me suis réveillé, tu me mets au zoo. J'étais très inquiète pour toi. Je ne savais pas où tu étais. Non. Ça va, elle est contente de le retrouver. Bah, ils sont même, ils se taquinent sur le lit, ouais, tu vois. Ouais, le docteur Rich, par contre, lui de l'autre côté, lui transpire, tu vois. Il ouais. Appelle, il dit attention. Il est où, David? Il est donne là. Ton numéro. Il est là, pourquoi ouais. Il est ici. Pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Où était-il? Il ne se rappelle pas, il s'est réveillé au zoo. Au zoo? Il a toute sa tête? Il est conscient, il a foutu la merde ou pas? Je sais rien, en tout cas, il a l'air comme d'hab. Bah hein, ouais. Toujours taquin. Ouais, il est super. Il est gentil. Tu ramènes ton cul avec David à l'hôpital. Mais il est impératif que vous l'ameniez tout de suite à l'hôpital, vous entendez? Oui, docteur. Vous êtes certaine qu'il est lucide, vous n'avez pas besoin d'un coup de main. Nous venons à l'hôpital tout de suite. Tout de suite, bordel. Tout de suite, tu vas arriver, d'accord? Il tu se passe des trucs pas cohérents ici, bordel de merde. Bouge-toi le cul, et lis pas les journaux d'ailleurs. Parce que c'est la merde. Ouais. Les, pas les journaux. De merde. Mais eux, justement, pour aller à l'hôpital, ils vont passer par un taxi. Le taximan va leur dire putain, vous avez entendu ce qui s'est passé cette nuit, bordel ah non, de merde. Non, qu'est-ce qui s'est passé, bordel? 6 morts cette nuit, mon pote, ici, dans le Tiercar en plus. Putain de merde. Je te jure que si, mais quand on s'est cru comme à l'époque de Jack l'Éventreur. Ouais, bah oui, bah oui, c'est vrai. La nuit dernière, 6 victimes, toutes dans des endroits différents de la ville, toutes mutilées. Ouais. Là par contre il prend conscience cette fois. Arrêtez le taxi. Il sort du taxi et il s'enfuit. Il fuit. Il dit je suis un loup-garou. Je savais que Jack m'a mis en garde. Il me l'avait dit bordel ouais, mais non Jack est mort. Il me l'avait dit. Comment on fait maintenant? En fait bah, il veut se faire enfermer. Il insulte le policier là. Ouais d'ailleurs il insulte Charles. Il insulte la reine d'Angleterre. La reine Elisabeth est un homme. Le prince Charles est une pédale. Et Winston Churchill était le dernier des cons. Il dit que la reine d'Angleterre est un homme et que son fils est une pédale. Est une pédale. Charles. Arrêtez-moi. De toute façon, c'est un pays de merde ce que vous avez et tout. T'as vu comme quoi les policiers anglais sont vachement cool. Vachement cool, mec. Il est inutile d'employer ce genre de langage. Bon, ça suffit, fichez-moi le camp tous les deux immédiatement. Bah alors vous m'arrêtez pas?
Arrêtez maintenant. Vous croyez que c'est une bonne façon de parler comme ça? Voilà, respectez-nous, merde. Voilà, on vous a rien fait, nous, hein, monsieur. Calmez-vous. Alors, circulez maintenant. Ouais, c'est et passez une bonne journée. Ils sont gentils. Pourquoi vous faites ça aussi? C'est pas très gentil. Voilà. Bon, merde, quel pays de merde. Personne m'enferme. Mais vous êtes tous dingues. Il faut que je me tire, il faut que je me sorte de là. Mais vite, il va perdre la raison. La raison, mais quelle raison? Et il fuit. Et il fuit. Il veut suicider à partir de là. Il commence à calculer. Ouais. Il fuit, il ex-Alex en plan. Il tombe sur les célèbres cabines téléphoniques rouges. Il faut qu'on le montre. On est en Angleterre, les potes. Bien sûr, c'est l'archétype même des Anglais. Ouais, c'est ça, c'est clair. Il appelle en PCV New York. Ça, c'est vrai qu'il faut appeler en PCV toujours. À cette époque-là. Oui, mademoiselle, je voudrais appeler un numéro aux États-Unis en PCV. David Kessler pour la personne qui répondra. Il joint sa famille, il tombe sur sa petite sœur, il leur dit je vous aime, dis aux parents que je les aime. Et n'oublie pas que dès que tu vois papa et maman, tu leur dis que je les aime. Et je t'aime et tchao bonne quoi. Voilà. À la prochaine. À ciao la prochaine. Les potes. Aou voilà, salut. A plus, hasta la vista quoi. Mm. Voilà, et là il veut suicider mais il a pas les couilles encore. Mais en sortant de la cabine, il voit de nouveau son pote Jack qui attend devant un cinéma porno. Devant un cinéma porno érotique quoi. Ouais, ouais, ouais. Et... c'est clair, en pleine journée comme ça. Et là il dit bon bah je vais le suivre, je vais voir ce qu'il me dit de nouveau ce couillon. Fait ça, là il a encore plus pris dans la gueule. Et on se retrouve encore plus défoncé Jack. Donc là cette fois on pouvait plus le faire plus défoncé. C'est un mannequin. Ouais. C'est un mannequin qui le double. Et là, ouais, il a les yeux révulsés. Exact. Non, mais c'est bien fait. Hein, c'est stylé encore. Ouais. Et là, justement, tu vois toutes ces victimes. Toutes ces victimes qui sont réunies au cinéma. Et ça, t'as le mec du métro, ouais. T'as le couple des bourgeois. Le couple des bourgeois, oui. T'as les trois sans-abri. Qui devaient dîner avec leurs potes qui sont jamais venus. Bah oui, en plus, ils voulaient leur faire une blague. Regarde, on passe par derrière, voilà. On va leur filer la pétoche. Pire sympa en plus, les couples et tout. Tu vas voir. On va monter par l'escalier de service et on va leur planquer une de ces fronces. Et puis là, bon, bref, ça c'est mal fini, ça c'est mal terminé pour mal eux. Mal terminé. Et voilà, il leur explique, regarde, t'as buté lui, t'as buté eux, ils étaient sympas, lui il avait en plus des gosses, il était marié, t'es content, regarde ce que t'as fait. Regarde ce que t'as fait. Putain de merde. T'es quoi ? Et je t'ai mis en garde, hein. Bah je te l'avais dit. Pourquoi t'écoutes pas, bordel de merde? Regarde ma gueule. Regarde ce quoi je deviens, tu veux que je devienne quoi, une flaque? Ça te suffit pas, nom de Dieu ou quoi, bordel? C'est ça. Et ça se passe quand même en l'espace de quelques jours. Parce que là, entre la première fois qu'il vient, il se passe deux jours. En fait. T'as vu comme il pourrit vite en plus. Mec, c'est incroyable. C'est comme ça. Et voilà, là, il lui a expliqué qu'il faut que tu tues. Et lui, il dit, ok, je me tue, ok, c'est bon, je vais le faire. Ok, donne-moi une solution, alors, bordel de merde. Tu vois, je vais dire, ok. Faut y mettre fin. Et comment dois-je faire? Vous prenez des pilules? Non, c'est pas assez sûr. Mais j'ai pas de flingue, hein, moi, j'ai rien. Comment je fais? Je prends des médocs? Non, trop facile les médocs. Tu peux survivre avec ces conneries encore. Tu vois, ils veulent vraiment le défoncer, oui. Quoi. Mais... entre temps, t'as le film porno qui est projeté. Qui part avec bien. Avec une scène sympa où j'ai vachement kiffé, où t'as un mec balèze qui sort et il dit oh, qu'est-ce que tu fais, espèce de connasse? Oui. Mais vous êtes qui? Non, il dit, mais j'ai rien fait. Et toi, t'es qui? T'es qui, toi, bordel? Ah ok, autant pour moi, continuez. Allez-y. Je t'avais promis de ne jamais recommencer. Je t'ai jamais promis quoi que ce soit, moi. Comme vous, pauvre idiot. Hey, je vous ai jamais vu, je vous connais pas. Bon, désolé. Ah, j'ai vachement kiffé cette petite scène. Ah oui, bah c'est John Landis, ça. Voilà. Il est obligé de mettre quelques trucs un petit peu chez père. Puis t'as vu d'ailleurs, partout t'as le See You Next Wednesday et tout partout. Parce que ça c'était son premier scénario, tu vois, qu'il voulait faire quand il était jeune. J'ai bien aimé aussi quand avant qu'il se transforme, David. Une petite parenthèse où il voit la pub de Nina. Nina la connasse. Nina la cochonne et Nina tout. Nina la connasse qui est trop riche, trop belle, trop sympa. Suivez-la. Nina, les aventures de Nina. Donc voilà, tu vois. Avec les nouvelles du monde, demain, la vie aventurière de Nina. Elle est trop belle, trop aimée, elle gagne trop d'argent. Je sais que cette vie finira mal. Mais voilà, elle leur explique qu'il faudra que tu tues et bref. Que tout s'arrête, sinon ça va continuer quoi. Sinon eux ils peuvent pas aller, comme on a dit avant, mourir paisiblement. Et puis que tu vas tuer encore des gens, frérot. Voilà. Mais bref, là par contre, en discutant, la lune est redevenue pleine. Le temps passe vite, hein. Le temps passe vite avec toutes ces conneries finalement. Ils se retransforment, mais dans le cinéma cette fois. Donc ça va plus vite, hein, cette fois-là. On s'est habitué, Ils souffrent quand même, hein, bien sûr. Mais ils butent tout le monde dans le ciné. Salut. Là, les mecs en dehors du cinéma, ils entendent du bruit. Putain, qu'est-ce qui se passe? Il y a le mec du cinéma qui rentre. Elle envoie un flic droit derrière. Putain de merde, ça part en couille là. Voit le yinche.
Le gros Yinche. Le ouais. gros Yinche, il s'enfuit, il ferme le rideau tu vois, du ciné. Ouais, ouais. Et là, ça tape bam 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 tout le carnage, monde. Parce qu'on est quand même à Piccadilly Circus. Oui, bah quand ouais. même, dans le boulevard. Et il y a du monde. Hein, ah, vois, bah, ça, c'est clair. Monde, ça. Les badauds, pris de panique, mec. Pris de panique, se mettent autour des flics et tout, veulent comprendre ce qui se passe, tu vois. Et là, il appelle du renfort, bref. Putain de merde. Il y a le docteur Hirsch aussi qui apprend comme quoi il est là-bas, David est sur place. L'infirmière Hobbs vient de me dire qu'il y a eu un problème à Piccadilly Circus, ils ont parlé d'un animal enragé. David. Donc il va avec Ray sur place, avec Alex. Alex. Sur place. Et bon, bref, il arrive à péter le rideau, quoi. Le rideau de fer. Le rideau de fer, il arrive, il s'enfuit. Bah, il s'enfuit, il tranche la tête du flic et il fout bien la merde sur place, surtout. Il en fracasse encore quelques-uns, mec. Attention, là, ça bute de l'anglais, mec. Bah, oui, ça fracasse pas parce que non seulement ça bute, mais en plus, ils se butent entre eux. Parce que t'as vu la scène d'accident, ouais. boum, carambolage, un mec qui se fait écraser. Bah, d'ailleurs, il y a un caméo de John Landis, justement. Ah ouais. Putain. Non, là, c'est un carnage total. Ah oui, oui, non, ça part bien, tout le monde crie, c'est le bordel. Lui, il marche comme ça. Tink, 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 tink. Il s'enfuit de son côté. Les Condé arrivent, remplis de Condé, donc qu'il le piège au fond d'une allée, ouais. cul-de-sac. Cul-de-sac, tu peux lui, plus aller. Lui, il a peur, il recrie, tu vois. Mais là, Alex, elle arrive. Non, laissez-le, c'est un gentil toutou. Oui, il faut le comprendre seulement, il a pas mangé depuis quelques jours. La docteur Hirsch qui essaie de leur... Alex, arrête tes conneries, reviens ici, il peut te mordre, bordel. Il a peut-être la rage. Arrête tes conneries. Reviens. J'ai là. Besoin de toi à l'hôpital, bordel de merde. Et voilà, bref, elle s'en va, elle essaye de le calmer, quoi. Lui faire reprendre conscience. Ouais, vois, elle lui dit, je t'aime, bordel, je David. T'aime, David. Kessler, je t'aime, Kessler. Je t'aime, tu David. Tu veux pas m'épouser? Souviens-toi de moi, bordel. On a fait crac-crac. Et lui, par contre, rien à foutre. Il essaye d'attaquer, mais au moment où bam, il essaye d'attaquer, bam, les Anglais bam, sont bam. Des fameux tireurs, ouais, quand même. Ouais, bim, ouais. bim, ça loupe pas une balle, elle est au milieu, elle s'en prend pas une. Il vise bien les bâtards. Il vise bien, ils l'ont bien shooté sur les pattes. Ouais, il est mort. Et il la est mort dernière à poil. Ouais. Bon, Alex pleure. Générique. Générique, une voilà. musique sympa. Ça part. D'ailleurs, toutes les musiques, elles ont été avec le mot lune. Hein. Moon, ouais. Oh, putain, ok, bonne anecdote. Ça, c'était le truc à John Landis, le taré sur certains trucs, quoi. Donc voilà. Bon petit film bon de petit film de loup-garou, ouais. Donc pas le premier au cinéma hein, qui sort avec hurlement. Il y en a eu un en 35, c'était le monstre de Londres, je crois aussi, qui s'appelait le monstre de Londres. Et t'avais Wolfen aussi la même année. Voilà. Un petit film beaucoup moins connu que les deux, mais voilà, qui était sorti aussi cette année-là. Ouais, puis après, ça va suivre. Hein. Il y aura une grosse mode aussi des loup-garous. Parce que hurlement, mec, il y en a 7 hein, de films de hurlement et de compagnie, tu vois. Après, ça reviendra. Il y a eu du... C'est vrai que c'est les deux qui reviennent le plus souvent quand tu parles de films de oui. loup-garou. Quoi. Bah, qui ont le mieux vieilli. Classiques. Bah, ouais, des plus gros classiques. Après, il voilà, y en a eu. Il y en a eu des pas mal, mais il y a eu beaucoup de merde surtout. Il y a eu beaucoup de merde. Non, bien sûr. Ah, peut-être parce que ça demande beaucoup d'effets, tu vois. Et puis, s'il est pas bien fait. Ah bah direct, ça te sort du film, tu vois, c'est ça le problème. Avec un vampire, encore, à la limite, tu lui mets des chicots, tu vois, ça non, peut aller. Mais c'est plus facile c'est à créer ça, un vampire voilà. qu'un loup-garou, tu vois. Et je pense qu'un loup-garou, non, malheureusement, ça va prendre plus cher dans sa gueule si c'est loupé. Epic, c'était encore à l'époque où on faisait avec du dur, quoi, tu vois, avec l'animatronique et toutes ces conneries, et puis c'était bien, quoi. Tu vois, maintenant, c'est tout en CGI, donc ça perd un peu le charme, quoi. C'est ça. C'est clair. Donc voilà. Donc. Avant qu'on se quitte, les potes, une petite comparaison donc entre hurlements. Bah dites-nous lequel voilà. vous préférez, vous les gars. On donc, serait curieux de le savoir. Dans les commentaires. Donnez vos anecdotes. C'est ça. Et toi trucs. D'ailleurs, toi, c'est quoi quel est ton avis, toi, sur les deux bah, films. Écoute, moi j'aime bien le Loup-garou de Londres, mais je trouve que voilà, ce qui me dérange un peu plus, moi, c'est l'humour un petit peu. Tu vois, moi, je suis pas trop fan humour horreur. Mais après, ça matche pas. Quoi. Ça matche pas. Après, c'est un très ça bon match, film. Ça matche, mais pas pour toi. Quoi. Mais voilà. pas pour moi. Mais okay. je préfère Hurlement sur certains trucs. Mais voilà, les deux se valent. Tu vois, okay. Après, le Loup-garou de Hurlement, je le trouve un peu plus swag, perso. Ouais, bah voilà, bah moi, c'est ça. Le Loup-garou de Hurlement, je le trouve un peu plus Loup-garou. Justement. Voilà, il est un peu plus flippant. Voilà, un peu plus imposant. Voilà, c'est ça. Ils sont à deux pas. Mais après, lourd. Voilà. Attention, très très lourd quand même. Par hein, contre, ce que je trouve. Pourri sur Hurlement, c'est la façon très série B, presque ouais. téléfilm. En fait. Ouais, ouais, tu sais, bah il y a ça. Certains scores qui ont été mal choisis, certaines exact, musiques, mec, exact, mais qui collent pas du tout, je trouve. Hein, budget, hein. Je trouve. Hein.
manque de budget aussi, mais après voilà. Mais, mais après en soi il est pas mal, la fin est pas mal, elle se transforme, tu vois, ça passe, ça passe. C'est un peu plus mature, c'est moins drôle. Mais voilà. Mais voilà. Donc voilà les potes, c'était Le Loup-Garou de Londres. J'espère que ça va vous plaire, cette petite vidéo rétrospective de ce film. Et surtout, comme d'habitude les potes, n'hésitez pas à commenter, mettez un commentaire, abonnez-vous si vous ne l'êtes toujours pas. Partagez, éclatez-vous. Vos familles, à vos boulots durs, à vos collègues de travail, qui vous voulez, mais faites le nécessaire, c'est toujours sympa, ça fait plaisir voilà, que vous fassiez le taf. On vous remerciera jamais assez d'ailleurs pour ça. Vous êtes les best les gars. Vous êtes les meilleurs et surtout les potes, soyez au rendez-vous pour la prochaine et à plus, bientôt. Salut ma couille, c'est Paul Hogan, alias Mick Dundee. Je tenais juste à faire passer un message en direct de Woodbruce Creek. Si cette putain de vidéo t'a plu, oublie pas de mettre le pouce bleu, bordel, de commenter, de t'abonner. Ça leur fera plaisir. Allez, à plus les potes.